qui n'est pas capable de tirer ça. Merci pour votre chérie. Amen. Comme Abchita, mon Dieu béni. Mon Dieu béni. C'est un privilège pour Dieu pour capable être présent. Et dans une circonstance, dans une cérémonie comme ça, nous sommes capables de porter pour vous le message de la parole de Dieu et pour nous enseigner de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ allait faire de toutes les nations ça. Et ici, il y a un artisan du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-vous pour observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Et on ne va pas prendre trop de temps pour me présenter moi, parce que ça prend le petit temps que je vais vous partager avec vous. Just Google me, Jean-Marc Désiré. And you will learn everything that you need to know. Google is everything. Google has everything. Madame Namane Marie, do you love me? Marie, too. Google it. I hope that you don't do that. Mais de toutes les façons, de remercier la Convention baptiste de la Floride pour l'invitation qu'il a lancée à nous-mêmes pour nous capables de porte-parole. La Convention, ça va nous assurer une formation. Et surtout, on est avec un gros groupe tout à l'heure, c'est le groupe Pasteur, qui a présenté une conférence sur les séductions des derniers temps. Et moi, j'étais content de faire ça. Il m'a encouragé pendant que je parlais de ça, je me présenté à Pasteur Yomourai, ça, que moi, j'ai écrit, qui c'est la vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. Il est bon pour tout le monde. It's a good book. You don't sell the Bible, you know? It is salty. It will definitely help you. So, back up to you, avant de déplacer, check it on Amazon, la vérité qui libère Jean-Marc Désiré. It's a good tool that will really help you. Pas prendre trop de temps, mais plus rapidement pour tourner avec moi dans le passage de base. Passage de base que nous adoptons. Pour conférence, nous, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Parlez pour moi, verset 8. Rivez dans verset 10. 2 Corinthiens 4. Je vais vous lire parce que moi, je vais chiter tout ça, m'a dit sous texte là. Et dans 2 Corinthiens 4. Je vais vous lire rapidement. Mais je vais commencer dans verset 7. Tout verset qu'on lit, pour qu'on comprenne le verset, hein, il faut qu'on lise ça plus loin et puis lise ça plus bas. Dans le verset 7, il dit par exemple, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et tandis que ça reste des amis, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il vous dit encore, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Attendez, toute matin, nous sommes de nous pas casser. C'est très bien, on break the ball, c'est pas seulement la bouche de nous. Il faut qu'on qui sont pour faire pour ne pas casser. Donc, on a été bien dit le matin. Naturellement, il y a une pile de bagages qui est capable de faire nous casser. Mais surnaturellement, spirituellement, bon Dieu, capable de nous force pour nous capables de nous. Paul te dit que chrétien comme un plus haut dans le verset 15. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Comment? Inébranlables. Travaillons plus en mieux du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous ne pas casser. Moi, je veux quitter aller avec la parole ça. Qui chita sur ce sujet, ça, la puissance de la résistance. Pour résister, il faut fort. Ce n'est pas un bouchon pour dire ça, il faut qu'on quitte avec une puissance pour capable comment résister. Parce que verset 7 est important, c'est verset 7 là qui parle, nous, verset 8 là. Il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance. Et c'est lui qui parle dans verset 8 là. Nous portons ce trésor. Mais qui ça trésor, ça arrive? Il a fait que
cette grande puissance soit attribuée à nous pour ne pas casser, pour ne pas dire comme ça, nous sommes pressés de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité. Par contre, pour nous tous qui vivons en Haïti, nous avons un marché qui parle de marché, et puis c'est bourrique qui porte toute chaîne. Yo pas le vendre, tout ça le pas le vendre, yo provisionner les boules qui portent. Des fois, boules qui la font, pas qu'à porter tellement chara, lourd. En plus, nous nous racontons songer ça. C'est la première fois, moi, ça plusieurs fois, même dans le vérité, moi, je suis bourré pour entendre. Le boules qui la tremble, le chara trop lourd, nous montons les marchands dans le même boules qui la capote pour tes provisions de la clé, dit boules qui la, assurez. 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 Quoi est-ce qui commande à assurer? On nous dit assuré. Disons assuré. Assuré. Mais bien aimé, moi je suis tanné. Moi je suis la première fois que je suis réfléchi et puis je suis tanné assuré. Et puis je suis tanné pour des chagrins. Et si mes messages sont portés par au matin, dans un moment ça, assuré. Tous les enfants qui tout le monde, on a dit assuré. Dis ça, assuré. Dis-nous pas casser. Nous pas casser. Mais pas oublier, l'organe des paroles là, il parle de la puissance de la résistance. Une puissance qui suppose aider nous pour nous résister. Mais pas oublier, il parle encore de trésor. Nous portons ce trésor. Lorsqu'il y a fait une analyse, texte là, pour qui ça va pour Paul dire que ce trésor là? Ou même que trésor là, c'est l'évangile. Dans le passage là, il dit c'est de l'évangile que Paul à parler. L'évangile est un trésor. C'est la puissance du changement. Ça, pour faire nous, quelle puissance pour nous résister à, nous devons se connaître que nous gagnons bagaille que nous portons. Nous gagnons bagaille que nous gagnons pour nous offrir le monde là. Son trésor lié. Nous ne sommes pas capables de camper, nous ne sommes pas capables de casser. Nous voyons dans nos films, dans nos vies. Lorsque y a un acteur qui a un travail, il n'a pas le fait. Ou mettre battre la gratte, ou mettre pilonner. Do you know how to say pilonner en anglais? You can pilonner him. I mean, ou quand vous avez tout le temps en clair, you can step your foot on his head. That's all great. Mais le crayon, you can pilonner him. L'égomission. Les gros trésors dans mes lits, les gros bagailles que vous allez faire, ou mettre tout miel, ou mettre mentiriser, les papes cassés, les papes crampés, sans pas accomplir ça, mission. C'est un des textes là-bas. Trésor, nous disons, c'est l'évangile. Et l'évangile, nous mettons là. Moi, mettez verset 16. Je ne prends honte de la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. L'évangile qui est trésor, oui. Je n'ai pas le temps pour m'expliquer au texte à m'exégèse. Mon gamalien qui est la docteur de la loi, lui qui a fait mieux que moi. Mais nous tous qui nous avons que c'est l'évangile qui est trésor là. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Quelle grâce, mon Dieu, fait. Si nous-mêmes, bon Dieu, que l'évangile, non, nous, et pas nous pour prêcher ça. L'évangile. Non, verset 3, non, 2 Corinthiens 4, là, qui sont ouais. La parole dit, si notre évangile est encore voilé, lire l'évangile par là. L'évangile par là. Et si l'évangile, c'est un trésor à posséder. Il dit comme ça, l'évangile, ça, il est voilé pour ceux qui périssent. L'homme dit, 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'évangile est non seulement un trésor à posséder, mais c'est un trésor à préserver. L'homme est son trésor préservé. Et que Dieu n'a pas voulu, ouais, pas mettre au départ de l'évangile. Surtout dans la génération, ça a mis un pile God haters. Nous n'avons pas eu de monde, nous avons bien fait. Mais il faut préserver l'évangile, c'est un trésor à préserver. Il dit, dans le Dieu de ce siècle, hein, a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, ça que le diable est l'ennemi de l'évangile. Et si l'évangile est un trésor à posséder, on nous dit posséder. L'évangile est un trésor à préserver, on nous dit préserver. L'évangile est un trésor à partager, à protéger, on nous dit protéger. Parce que l'ennemi, hein, ça que le diable, c'est l'ennemi de l'évangile. Mais
qu'il également, dans verset 5 là, nous joignons que c'est un trésor à partager. Verset 7 a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. L'évangile est un trésor à posséder, c'est un trésor à préserver, c'est un trésor à protéger, c'est un trésor à partager. L'autre en Haïti, l'autre qu'on apprend une leçon. Un bon jour, on apprend une leçon. Et pendant que je parle de Haïti, vous avez besoin d'apprendre une leçon, ça oui. L'évangile est un trésor, l'évangile est un trésor à posséder, c'est un trésor à préserver, c'est un trésor à protéger, c'est un trésor à partager. Appelons l'évangile un trésor, récitons ensemble. L'évangile est un trésor à posséder, c'est un trésor à préserver, c'est un trésor à protéger, c'est un trésor à partager. On va acclamer le Seigneur. La puissance de la résistance, mes points de bagage que vous découvrez, notez avec moi premièrement. La raison de la résistance. On nous dit raison. Raison qui fait que nous devons résister, c'est raison, ça prend de loin. Pour résister, il faut une raison, il faut une motivation, il faut une bagaille qui aime ta rue pour résister. Si vous n'avez pas une cause ou une défense, vous n'êtes pas motivé pour résister. Et c'est la raison de la résistance, pour ça vient, l'évangile est un trésor. C'est un trésor à posséder, à préserver, à protéger, à partager. Verset 7 là, nous portons ce trésor. Hein, dans des vases de terre. C'est la raison de la résistance. Qu'est-ce qu'on dit à quoi ça? Ça l'a fait là. Pour que ça nous mette tout enthousiaste là. Parce que nous portons le trésor et nous appelons à distribuer ce trésor. Fait tout pour nous connaître qui ça l'aime tout à fait pour nous-mêmes. Si c'est la raison de la résistance. Nous avons en nous un trésor. Jésus-Christ. Et nous devons partager ce trésor aux autres. Deuxième avec le texte là, après raison, sort le verset 8 là, question nous pas casser, nous pas casser, nous pas casser, c'est la résolution de la résistance. Premièrement, non, message là, n'a pas d'être concerné dans la puissance de la résistance, nous mais la raison de la résistance, mais pour une raison nous résister, l'évangile est un trésor. Deuxièmement, la résolution de la résistance. Là où est, ou qu'il y a une raison pour faire bagaille, il ne faut pas être une résolution. Quand sa résolution est, une résolution c'est une décision que l'on prend à propos, une décision avant même de prendre la décision. Voyez-vous, pasteur, say it again. I'll say it again. Une résolution, son décision qu'on prend concernant une décision avant même qu'on prenne une décision. Comment ils ont tout simple? Que bagaille début de ces chrétiens par nous la même. C'est pas mon devant bagaille là pour dire, ça me t'a fait là, est-ce qu'il m'a fait là? Est-ce que je fais? Est-ce que je me prends l'argent? Est-ce que je me prends comme ça? Est-ce que je me prends travail ça? Que bagaille pour ces chrétiens, il faut que tu dis que tu es moi c'est chrétien, que quelque chose, moi pas. Par exemple, dans 2 Corinthiens 6, 14, 17, on peut dire comme ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur le jour étranger. Quand il y a un rapport avec la justice, qui a-t-il de commun, pas de mes règles? Quel rapport avec notre Christ éternel? Souriez-vous au point pour ces petits bon Dieu. Et puis, quand le monde qui m'a marié, le monde n'a pas converti. C'est le monde prier. Et puis, il vient son père, il parle mieux, il boit bien, il est imposant. Et puis, l'âge il dépasse la malade. Et puis, là, l'autre côté du monde, où il y a une chair de poule. Quand il y a qui sont doit faire avec ça, quelle décision on doit prendre? Depuis avant, ça t'arrive là. Faut que tu te dis, tout. Pas été pour une résolution. Moi même Georgette, moi pas mon aimé, amour, qui pas converti. Le monde c'est le monde. Moi t'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi pas tourné. Le monde t'es gâteau. La croix est basée. Moi pas tourné. Si je dois aller seul, ça qui t'a dit, même si je ne suis pas marié, toujours pas suivre. Lui, qui ça? Je pas tourné. Résolution. Résolution, la résolution de la résistance. Quel bagage, il faut qu'il y ait résolution pour lui-même avant d'arriver. Dans Lamentation, Jérémie écrit par ça. Il dit comme ça, les gens pensent à tristesse, à misère, à problème.
nan mwen kase. Nan mwen, il dit nan mwen kase. Nan mwen mwen. Et puis j'ai dit comme ça, oui, mais c'est ça, j'ai dit ça. Qui t'est tombé, tourné dans la résolution. J'ai dit comme ça, voici ce que je veux repasser mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Regardez, nos petits produits peuvent marcher à toute résolution. Des pour triste, des pour barrer, des pour engager, réciter résolution à tête. J'ai dit comme ça, voici ce que je veux repasser mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Dis-le avec moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'intérieur, et elles se renouvellent vraiment chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et puis j'ai dit, t'as dit ça. Il est bon, dis-moi, la tombe, dis ça. Le secours. Sans l'île, nous ne pouvons pas casser à la verset 8 là. C'est la résolution de la résistance. Qui s'acquiert dans la résolution? Nous sommes pressés de toute manière, mais nous sommes réduits à l'extrémité. Ça veut dire que nous n'avons qu'un défaut malgré la pression. Il dit comme ça, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ça veut dire que nous allons tenir ferme malgré la pression, malgré la friction. Et puis il continue, il dit, persécuté, mais non. Mais non abandonné, nous allons tenir ferme malgré la persécution. Il dit après ça, abattu, mais non perdu, nous allons tenir ferme malgré l'opposition. On nous dit malgré la pression, malgré l'affliction, malgré la persécution, malgré l'opposition, nous allons tenir ferme. C'est ça, verset à la vie. Nous allons tenir ferme malgré la pression, malgré l'affliction, malgré l'opposition, la persécution, malgré l'opposition, puisque nous portons le trésor de l'évangile, nous allons tenir ferme parce que l'évangile, c'est un trésor à posséder, c'est un trésor à préserver, c'est un trésor à protéger, c'est un trésor à partager. J'ai une raison pour la résistance. J'ai une résolution pour la résistance. Hein? L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que verset Achita sous puissance. Sous puissance de Chita. Et qui est pour lui parce que l'air. Sous puissance de Chita. Il dit, nous portons ce trésor de l'évangile de Pierre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Gon papa qui dit qu'il gagne 8 ans. Puis qu'on prend la télévision la pleuver. Dit, la robe qui est enseignée. Prends la télévision ça pour moi. Pour te déplacer. Son leçon de l'enseigner. Si tu as dit, lui embrasse la télévision. Laissez-le pour te. Il dit, papi. M'a dit force tout. Papi a dit, mettez toute force où. Il dit, prends la télévision encore. Prenez bien l'eau. On continue 8 ans. Et finalement, puis il a dit, papi, il n'y a pas de force. Papi, venez de nous. Papa, dit comme ça, l'aimé d'eau, aucune force. Je n'ai pas seulement d'eau pour utiliser force par nous. C'est le temps de mettre à temps pour dire, papa, venez de nous. On nous crie la terre, nous, pour même qu'il a aussi tout perdu de force, dis aide le Seigneur. Et sa bonne force, Seigneur. Il y a une raison pour la résistance. Hein? Il y a une raison, ce trésor de l'évangile. Il y a une résolution pour la résistance. Donc on voulait fléchir, c'est vous dire, m'a cassé. Bon Dieu avait m'a cassé. Bon Dieu avait. Jésus s'est sauvé, moi, ma bébé. Couillons des bois, qui campent les bois. Pendant ici, nous savons, oui, ma bébé.
ma vérité. On nous dit, ma période de faim. Et ma période est comme ça. La raison de la résistance. La résolution de la résistance. Pour vous qui résistez, vous récompense. Ça, c'est la récompense de la résistance. Nous venons vers cette vie-là. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Répétez ça encore. Verset 11. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pas mal de la première monde qui t'a fait compagnie avec Jésus. On t'a dit oui. Pas oublié. Trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach, et avec Nego, ils t'ont fait compagnie avec Jésus. Mais dans le temps, tu fais. Amen. Sans besoin. Jouir de toute la présence de Dieu, de toute la puissance de Dieu. Hey, bon Dieu, casse mon niveau avec le nom du Dieu. Laisse toute puissance, toute présence à manifester. C'est récompense ça. À monde qui veut le faire. À monde qui parle à guerre. Mais Jésus-Christ a manifesté puissamment. Amen. Et c'est ça qui est important, la récompense de la. Résistance. Bon chant qui dit et bon chanteur qui grand jour ça va être. Qui ça? Le m'a rencontré Jésus. Ma pensée à Tino, ça va me terminer son illustration, pour nous fermer. Il t'a pas un gros concert. Il t'a fait violent. Il t'a fait plus de 2000 monde dans la salle là. Et le film bail concert là. Avec violon. Le film bail concert là. Tout le monde m'a assemblé à camper pour mettre bravo pour lui-même. Si vous me parlez devant tout le monde, il peut crier. Maestro, orchestre de monsieur, tout le monde camper à battre bravo pour vous. Pour qui ça? Pour crier ou pas? Montrez vos joyeux. Si vous me dites, maestro, vous me parlez ou pas? Tout le monde s'est camper, mais il y a un monde qui chita. Maestro, qui est-ce qui chita? Il dit, mais non. Mais je dois l'écouter. Tout le monde campé. Si il y a un seul monde qui chita, ça va être trop. Il dit, mais je dois c'est comment on va connaître. Monde qui chita, c'est lui qui t'a montré jouer violon. Et s'il n'a pas campé, même si tout le monde a campé, ça va pas dire rien. Il dit, monde qui chita, c'est papa. Pour que le monde qui a vraiment senti content, c'est lui qui t'a campé. Et depuis lui, même seulement bat bravo au moins, même si 2000 monde chita, depuis lui-même campé, ça suffit. Mais lui-même m'a terminé comme ça, avec mes sacs à ma terre. Le monde entier va battre bravo au moins. Le monde entier va dire que ou excellent, ou bien, ou bon janvier. Le monde entier va t'applaudir. Mais depuis Jésus-Christ pas campé pour l'applaudir, soit la contre qui pas appelé de qui sa mort. Et quand vous qui sont là maintenant, ou là dans la conférence, ça, pour que seul monde ait besoin qui applaudit, c'est Jésus. Et à nous tous qui ne pas cassés, même si nous blessés, même si nous n'a marqué pas, c'est douloureusement, nous continuons à marcher dans le travail Seigneur, qu'on l'a privé. Et dans la gloire, n'a pas les mêmes nous en captif. Bon, et fidèle à qui ça? Serviteur. Tu as fait tes fidèles en peu de choses. Je te considère ça. Beaucoup entre dans la joie de ton air. C'est la puissance de la résistance. Nous pas casser, nous pas couper, nous pas camper. On nous travaille pour le Seigneur avant soleil à coucher. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen.